Et c'est parti là, les guys. Là, j'y vais à fond, hein. J'y vais seul, hein. Oui! Je me suis dit, j'y vais seul, les guys. Parce que déjà, mes deux coéquipiers, mes deux ailiers là, ils étaient séparés. Et là, je me suis dit, je vais juste déposer parce que je vais la placer et je l'ai très bien placé, les gars. On va revoir ça. Alors, annonce de meilleur joueur de l'année de l'Europe, ça sera qui? Eh oui! Je suis le meilleur joueur de l'année. Bonjour les guys, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour vers une légende sur Football Live 2023, PES eFootball 2023. Allez, c'est parti. La saison est déjà finie. Je vais vous montrer d'abord mes données. Et j'ai eu 31 passes décisives et 18 buts toute la saison, toute compétition confondue. Et j'ai été sélectionné pour jouer pour regardez, on va voir ça ensemble pour World Selection. D'ailleurs, j'ai mis tout en français. Pourquoi? Alors, comme je disais, voilà, j'ai été sélectionné pour jouer l'équipe World Selection, c'est-à-dire l'équipe monde, et je vais jouer contre Liverpool. Ça veut dire les meilleurs joueurs de la saison, je crois. Allez, on va jouer directement ce match, on va pas traîner. Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas de logo. On va voir tout ça ensemble, le plan de l'équipe. Et voilà, je suis là avec Rodrigo, Kylian Mbappé, Phil Foden, Rodrigo, Michael, ça je sais pas c'est qui, hein, sans vous mentir. Michael Oyarzabal. Ah, lui, je le connais, je le connais. Il n'est pas âgé, celui-ci. Ouais, il a 29 ans. Et Declan Rice. Nuno Mendes, qui a été aussi le meilleur joueur. Voilà, donc ça c'est la meilleure équipe de cette saison et je suis dans la meilleure équipe. Allez, on va jouer contre Liverpool. En tout cas, les joueurs commencent à vieillir dans cette équipe. Mohamed Salah, il est encore là. Je crois que les équipes, elles ne seront plus fortes comme avant sur cette sauvegarde. Elles vont évoluer, ça c'est sûr. Et cette vidéo, certainement, vous la voyez après la mise à jour. J'ai installé la mise à jour et je vais jouer sur le gameplay. Regardez le stade Liverpool en field. Stade très, 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 très mythique là. Stade mythique de Liverpool en Angleterre. Regardez, regardez en tout cas. Je sais pas s'ils ont augmenté le graphisme, mais ça a l'air top, les guys. Et on va jouer avec les meilleurs du monde. Tout cas, je crois que je serai le rival de Kylian Mbappé. C'est bizarre qu'il n'y a pas Haaland. J'ai pas vu les remplaçants. Il faut que je regarde encore les remplaçants. Donc voilà toute l'équipe. Voilà notre équipe. Équipe monde. Donc certainement, peut-être, j'aurai le ballon d'or. Je sais pas quoi. On croise les doigts, les guys. Allez, Diogo Jota qui est devant là. Je vais passer tout ça. J'ai pas envie de voir la compo. Je vous ai montré dès le début. Alors, on va regarder la compo. En fait, il y a Vinicius Junior, Lionel Messi. Joao Félix. Bizarrement, il n'y a pas Haaland. Je suis choqué. Je m'attendais à ce que Haaland soit parmi les meilleurs ici. Mais bon, n'oubliez pas que j'ai commencé cette carrière quand la mise à jour n'était pas à 3. Et je me dis que je vais faire aussi une. Je me dis que je vais faire aussi une carrière. Comment on dit? Carrière. Une ligue des masters où je vais commencer avec un club de deuxième division anglaise. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Allez, en tout cas, les mises à jour là. On va tester ça. On va voir si j'avais testé, j'avais vu que c'était un peu plus fluide. L'interception au bon moment. Serginho. Oh, le bon ballon. Mbappé.
Alors, une jolie première passe à Mbappé là, que vous venez de voir là. Et en tout cas, je vais vous dire, la mise à jour numéro 3, elle améliore le gameplay en tout cas. Elle améliore le gameplay. Il y avait beaucoup, beaucoup de trucs. Je vais sur le gameplay 2. Alors ça, c'est gameplay version 3. Alors là, là, vous voyez, je peux même dribbler, faire un... Ah. Le coup de sifflet, ce sera une faute. C'est une faute. Comme vous voyez, j'ai le numéro 9. Ça veut dire que je serai parmi les meilleurs joueurs à venir. Donc, notre carrière commence très tard, 22 ans. Pour le développement sur ce jeu, en tout cas, c'est de là. Hein. Je crois qu'il ferait mieux de... Attention. Ils étaient à deux contre moi là. En tout cas, je suis pressé, les gars. Je suis au pressing. Les gens, ils savent que je suis le meilleur. En tout cas, ils veulent pas me laisser jouer. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais améliorer. Voilà. En tout cas, le jeu est à 100 à l'heure. J'ai l'impression que tout va très très vite là. Alors là, il y avait faute là. Il va tirer peut-être. Et ouf, Mbappé n'y arrive pas. Je ne sais même pas si Mbappé joue toujours au PSG. Alors je me demande, est-ce que je reste au Bayern? Je trouve pas que le Bayern sera une équipe forte pour la Champions League. Mais si je reste, je pourrais être la star de cette équipe. Parce que je suis le plus jeune, je suis le plus... Bon, je suis pas le plus jeune, mais je suis le plus... comment dire? C'est moi, le joueur clé de l'équipe de Bayern. C'est montré complètement que c'est moi qui dominais. Attention, attention. Qu'est-ce que je fous? Et là, on y va les guys. C'est contre-attaque là. Ah là 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 là, c'est pour lui, c'est pour lui. Voilà! Et le but... Voilà, on sent cette équipe, franchement, c'est la meilleure, en tout cas, les gars. Nous sommes au top. Tout le monde est juste au top, là. C'est parti, les gars. Alors, j'ai eu un écran noir, j'ai cru qu'il y avait un souci, là. On va voir ça. Regardez comment on a bien joué. Regardez Mbappé qui la place calmement. Très bien joué de la part de Mbappé là. Ça c'est la petite miniature les guys. C'est pour la petite miniature. C'est pour ça que parfois vous voyez que je retire l'avatar. C'est juste pour prendre les miniatures pour YouTube. Pour que vous cliquez sur les vidéos bien sûr. Allez c'est parti peut-être. Alors... Je crois que le match va se terminer par ici. Dernier contre-attaque là. On a super bien joué. Mais on devait marquer beaucoup plus. Mais on a trop gaspillé. Le seul but, c'est le but de Mbappé. Allez, on va voir ma note 6-0. Ah, j'ai pas super bien joué. Mais je crois que si j'avais marqué au moins un but, peut-être ma note aurait augmenté. Allez, vous avez vu, donc je vous ai déjà montré ça au début. Je suis à la note globale de 86. Allez, la saison va se terminer. Ça, c'est le dernier jour. Après, on va passer à une nouvelle saison ensemble, les guys. On va aller sur la saison suivante, les guys, ensemble, en direct. Après tous les trophées qu'on a fait, on va voir ce qu'on va donner. Alors, 53 buts, donc 40 buts à Auxerre. Et j'ai 40 buts à Auxerre. Je savais pas que j'avais marqué autant de buts avant. Franchement, je crois qu'à Auxerre, je jouais mieux. Peut-être il faut que j'y retourne. Hein. Ouverture de première période. Ok.
Alors, message, on va le lire d'abord. On va préférer. Allez, gros match face à Juventus, les guys. Super coupe. Après ça, on aura la Super Coupe d'Allemagne. Je ne vais pas faire une très longue vidéo aujourd'hui parce que je dois encore me décider. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous voulez que je reste à Bayern ou vous voulez me voir dans une autre équipe? Dans une autre équipe. Je me dis peut-être en première ligue, je viens à Paris Saint-Germain pour aller remporter peut-être un trophée avec Paris. Je ne sais pas. Mais c'est la Super Coupe. Nous sommes à Allianz Stadium. Voilà le trophée, les guys. Attention, les guys. Là, c'est Dusan Vlahovic. Il va marquer. Je comprends pourquoi ils ont remporté la Champions League, les guys. Alors, les gars, là, on joue un match compliqué. Je sens qu'on va prendre beaucoup de buts avec Dusan Vlahovic. Il va faire beaucoup d'appels. Si l'entraîneur ne le marque pas vite. Et je crois pas que Bayern ne sera très fort pour la Champions League. Après ce but, je commence à me dire peut-être faudrait que je quitte ce club. J'aille dans un club comme Real ou bien je sais pas lequel. Je vais voir le classement des clubs pour voir quels sont les meilleurs clubs. Parce que vous savez, après le mercato et tout, les choses changent. Alors, je change de caméra parce que je sens que... Attention, attention. Là, c'est peut-être... Là, j'y vais. Ce que je déteste avec ce jeu, c'est que quand tu fais une passe en profondeur, en fait, tu dois te stopper pour la récupérer. Moi, je voudrais que la balle aille loin et que je n'ai pas à contrôler comme là. C'est juste impossible, les guys. Alors, vu que la mise à jour a changé, comme je vous ai dit, j'ai changé la caméra parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise. C'est pas. Peut-être parce que je joue à un poste que je ne suis pas habitué à jouer, qui est l'avant-centre, et que j'ai pas les stats pour jouer avant-centre. Moi, j'ai les stats plutôt milieu offensif, je trouve. Et on prend un deuxième but, les gars. Je crois que ce trophée ne nous appartient pas. Franchement, la mise à jour 3, elle est plus difficile. Ça, je l'ai senti dès le début. Alors, préparez-vous si vous ceux qui veulent le challenge. Et en plus, je joue difficulté professionnelle. Hein. Je joue pas superstar. Donc, c'est plus difficile, les gars. Et je crois que c'est un peu plus réaliste. De toute façon, comme je disais, mon club n'est pas du tout en forme, n'est pas au top, même si on a remporté des trophées majeurs. Mais je sentais que c'était pas vraiment le Bayern que je connaissais. Et peut-être un but, peut-être. Oh non, mais c'est pas possible, les guys. Je vous dis que j'ai pas une bonne finition et j'avais pas tort. Cette saison, faudra que je m'entraîne à la finition. Parce que là, PES. Franchement, la finition, c'est de la merde, les gars. C'est de la merde. Attention. Là, j'ai raté, franchement, un but, une occasion en or. Franchement, ça montre quel niveau nous jouons aujourd'hui. Alors, le match va se terminer. On va terminer tous ensemble. Alors, j'ai rechangé de caméra parce que je trouvais aussi que l'autre, là, j'arrivais pas à contrôler. Attention. Voilà, là je vais bien passer. Peut-être là il va marquer lui. Eh oui. Et je sais pas si j'avais marqué, peut-être on aurait pu relancer le match. Mais là 2-1, je ne sais pas. Pour les passes, ça, je suis le meilleur. En tout cas, je sais voir où sont les joueurs là. Et je sais les donner. Et on m'a donné une jolie passe. Je ne refuse pas. Mais pour marquer, pour la finition, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je commencerai à diriger mes ballons à un endroit précis pour marquer. Parce que là, ça ne va pas continuer comme ça. Ça va se finir. Et oui, on n'a pas le trophée. On n'a pas le trophée. Pourtant, on a très bien joué après, mais... Ah, ça n'a pas marché après.
Je pense que j'ai eu un match nul, même si j'ai fait une passe décisive, mais j'ai pas bien joué en tout cas. Alors on va regarder les passes, on a eu 3, non, non, 3 passes, c'est normal. Les duels, est-ce qu'il y a des duels, interceptions, 17, on en a eu plus. Allez, on va voir, je suis le meilleur joueur de l'équipe, c'est juste à cause de la passe. Peut-être j'ai aussi raté des occasions. Comme vous voyez, peut-être que c'est mieux que je redescends en tant que milieu offensif. Comme vous voyez, regardez, finition 76. C'est pour ça que je dis que cette saison, il faudra que je l'augmente au moins à 80. Accélération, vitesse, tout ça a augmenté, mais le shoot, c'est pas au top. Allez, on va jouer Super Coupe contre le Bayer Leverkusen. Celle-ci, on devra gagner. Bayer Leverkusen qui était deuxième la saison passée. Alex Remiro, un nouveau joueur qui vient d'arriver. On va voir c'est qui. Hein. Nom du jeu, Alex Remiro. On va jouer le dernier match, comme je dis, le dernier match de la vidéo. Et on pourra enchaîner après. Comme je vous ai dit, vous allez me dire dans les commentaires quel club vous voulez que je joue la saison prochaine. Est-ce que vous voulez que je reste à Bayern ou bien que je quitte Bayern et que j'aille quelque part d'autre? Et on va... Ça, c'est Super Coupe d'Allemagne. Celle-ci, il faudra qu'on la remporte. On a raté la Super Coupe d'Europe, mais celle de l'Allemagne, il faudra qu'on l'ait. Et cette fois-ci, je vais me donner à fond. Je vais passer tout ça parce que vous connaissez les cinématiques. Allez, c'est parti. Je vais garder cette caméra parce que je trouve que quand je suis plus proche du terrain, je vois mieux. Je trouve... Là, c'est parti. Non, 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 peut-être j'aurais dû les laisser contrôler. Là, j'aurais dû demander la balle. Allez, c'est deuxième corner, les guys. Je crois que celle-ci, je vais la mettre. Non, l'a mis un peu trop derrière, là. Et c'est parti là les guys. Là j'y vais à fond, hein. J'y vais seul. Hein. Oui. Je me suis dit j'y vais seul les guys. Parce que déjà mes deux coéquipiers, mes deux ailiers là, ils étaient séparés. Ils se sont séparés et ils m'ont laissé... m'ont laissé libre. Et là je me suis dit je vais juste déposer parce que... Je vais la placer et je l'ai très bien placé les gars. On va revoir ça ensemble. Regardez. Regardez cette contre-attaque bien menée là. Je me suis dit, ah franchement, j'ai beaucoup de choix là. J'ai dit, je vais juste la placer parce que le gardien s'était aussi avancé. Et ça, c'est facile. R1, O et ça entre. Bon, pour ceux qui jouent PES avec les touches classiques, c'est R2 carré. Et voilà, ça entre. Et voilà, on remporte le trophée. Encore une fois, on remporte un autre trophée. Premier trophée de la saison. J'espère qu'il y en aura d'autres plus. Il y en aura plus. Voilà, on est super content. Regardez, l'équipe, les adversaires ne sont pas du tout contents, les guys. Alors, c'est un but que j'ai marqué. Enfin, c'est le premier but de la saison que j'ai marqué. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je vous laisse voir la cinématique. Là, l'équipe, ils se sentent contents. Vainqueur de Super Coupe Allemagne. Là, une jolie petite photo.
Voilà, je prends le trophée. Allez, on peut voir le truc. C'est l'homme du match. Donc on va passer tout ça, on va voir, voilà, deux passes décisives cette saison, premier but de la saison. Ça commence fort les gars, ça commence fort. Et l'évaluation moyenne en tout cas, je sais pas pourquoi ça ne monte pas. Donc je fais tout, annonce du groupe en sélection. Alors, annonce de meilleur joueur de l'année de l'Europe, ça sera qui? Et oui, je suis le meilleur joueur de l'année. Franchement, il aurait cru. J'avais un petit doute, mais c'est vrai, 31 passes décisives, 18 buts. Et en tout cas, j'ai super joué, j'ai super bien joué. Comme vous voyez, c'est pas si difficile d'être le meilleur joueur de l'Europe. Et en plus, j'ai joué l'Europa League, les guys. Franchement, je suis super content, les guys. On vient de l'Ajax. Jeune qui vient de l'Ajax. Je vais rester à Bayern juste à cause de ça. Et je crois que je vais terminer la vidéo par ici. On va commencer une saison, une très très longue saison. Donc, ça sera la Champions League cette saison. Je crois que je vais rester au Bayern. De toute façon, il reste plus que 2 jours pour... Je ne vous ai pas dit, en fait, j'ai joué le premier match. On a gagné, mais j'ai pas joué, j'étais remplaçant. On a gagné 2-0. En fait, je voulais juste voir qui sera le meilleur joueur de l'année en Europe.